Le truc qui est bien parfois, c'est que t'as même pas besoin de faire une intro de stream. Tu laisses tourner le jeu, il se charge de tout. Salut les amis, tu es bien dans The Big Gamoski, il est bien 19h. Et on va parcourir un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui apparemment, on va faire ça à l'oreille aujourd'hui. Hein. Donc, attends, je vais me remettre déjà, mais on est en mode shoot. Hein. Voilà, ça va mieux. Alors, à l'oreille, il y a des bonus. Ouais, il y a des tirs. Il y a des tirs, c'est pas les mêmes. Cette turbine, c'est un PKZ 380 triphasé, je crois bien. Et on le trouve sur certains appareils volants, sur des shoots horizontaux, il me semble. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai bon? Et là, en régie, on me fait. Ah oui, j'aime bien quand ils font ces super avec le majeur adressé, c'est génial. Et donc, on va regarder ce jeu, tout simplement. Je vais éviter de m'étendre sur un probable, comment dirais-je, fail pour lancer ce Airbuster. Oh, je suis chocage. Alors, petit scroller horizontal, avec des bonus en veux-tu en voilà. Des graphismes choupi-choupi 80s. On a 80s. Oui, on est en 90 là. Ça a l'air bien speed. Ça a l'air bien dans le choix de tes armes. Une fois que tu les connais, t'as intérêt à prendre les bonnes. Parce que, oui, t-shirt, non pas par derrière, va falloir. Je touille mon café. Oui, je stream la nuit maintenant. Il est 11h du matin. De la nuit, quoi. Et donc, on va essayer Airbuster. Je finis de touiller mon café, hein, les gars. Vous permettez? Il y a peut-être une deuxième démo en plus. Comment ça? Ça fait un bruit, c'est chiant. Non, regarde. Et voilà. Tu es même dans l'espace, passe, passe. Alors, il faudrait que j'essaye de repérer les bonus au passage. Ça m'évitera d'être trop mauvais et de recommencer probablement avec des checkpoints qui sont en arrière à 10 km. Parce qu'il risque d'y avoir de l'encombrement à gérer apparemment. S, P, P comme pruneau, M comme missile. Oui, vous êtes aussi impatient que moi maintenant que vous avez bu votre café aussi. Et donc on va rusher dans ce jeu sauvagement. Ah, en régie, on me fait voir le score du jour. J'ai réussi à gratter 2 minutes 30 sur les 5 minutes obligatoires. Je me débrouille de mieux en mieux. Un jour, ma discrétion sera totale. Piu piu piu, piu piu piu. Super bombe, DTC. Magnetic field, DTC. Bonus, on va attendre un peu. Hop, avant là. Hop, S shield, ok. Le S, c'est vraiment le premier à récupérer. Je veux bien. Ouais, pourquoi pas. Moi qui suis tant adepte du t-shirt. Note from the behind, les gars. Là, je vais avoir un problème. Tu vas avoir un gros problème. Ça va être long, je pense. Surtout avec ma super bombe que j'ai pas. Ah, ah, ça et ça et ça aussi. C'est quoi ça? Alors, il est rigolo, Pipou, mais il tire dans le sens inverse des horloges, des aiguilles d'une montre et puis, il tire essentiellement à côté, je crois bien. Alors ce jeu est marrant parce qu'il est super malléable. Il y a une grosse tolérance sur la hitbox. Ça y est, on est au début des années 90, il commence à y penser. Donc du coup, vous pouvez vous faufiler entre les boulettes. Et ça, c'est pas mal. Donc, ce jeu, pour l'instant, est très très mal barré pour aller dans la malle au grenier. Il faudra vraiment qu'il arrive une catastrophe. Oh, c'était vache, ça. Oh, l'envahissement... Non mais vraiment pas de bombe, rien les gars. Va falloir faire quelque chose là, parce que... Et quelque chose se passa effectivement. Le ciel devint rouge. Un décor d'apocalypse se faisait ressentir. Eh putain! J'ai que des... Bon, ah non, si, il va bien ce tir. Donc je suis désolé de ressortir mon couplet, mais... Shoot horizontal. Vous connaissez la rougaine. Beaucoup de mémorisation. Et vous n'allez pas me dire que c'est faux. Si j'avais pas eu ce tir pour ce passage-là,
Regardez-moi la merde dans laquelle je serais, quoi. Je sais plus quoi prendre, du coup, les gars. Ah, purée. Yes. Ah, yes. Là, il m'a teasé, il m'a donné envie. Alors, il me fait repartir un petit peu piou-piou-piou. Mais bon, c'est les règles du jeu. On sent de la grosse musique de tracker sur Amiga, là. Alors ma hitbox, faudrait que j'arrive à trouver où elle est précisément dans le vaisseau. Apparemment, elle est de bonne taille, hein, quand même. Même s'il n'est pas complètement tout le vaisseau. Putain, mais tu veux pas crever, toi. Et ne reviens plus. C'est quand même étrange que j'ai pas un autre tir avec, quoi. Parce que quand on est à poil, on est vraiment à poil. Et la générosité des bonus se fait attendre. Ah ! Ah ! Et j'en chope aucun ! Oui, c'était un cri de désespoir. Même pas simulé, quoi. Parce que là, je vois le décor qui va commencer à changer et... Va falloir slalomer. En plus d'éviter de se prendre un vaisseau. En plus d'éviter les tirs. En plus d'éviter je sais pas quoi, mais de toucher les bords par exemple. Le jeu ne va pas devenir mauvais, mais alors le joueur là. Ah. Attends, je vais prendre en haut. Oui, ouais, j'avais prévu. C'est avec moi ça. C'était quoi? Fermière. Oui, vaccin anti-JDG tout de suite. Tout de suite. Je les rate tous. Mais c'est que des dollars, on s'en fout. Moi je veux des shots. Des shots, man, des shots. Je suis Sonic l'avion hérisson. Ah, c'est la première fois qu'on me le fait, ça. Je veux tout. Ça, 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 et ça aussi. Non, non. On peut changer. Le dernier, juste le dernier. Allez. Petit pas, hop, on recule. Petit pas, on recule. Et on se scratch dans le décor. Et tu repars à poil au milieu des tourelles. Et tu te sens trop welcome. Tu es comme... J'avais des comparaisons, mais elles étaient juste horribles. Alors je les ai pas dites. C'était plus ou moins racial et c'était horrible. Oui, j'ai imaginé un black au milieu d'une réunion du KKK. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est pareil. Tu te sens... On te fonce pas dessus directement. Mais tu sens que l'amour est relatif. Ich, te casse pas la gueule contre le... Et c'est reparti pour... Une petite séance. Sonic le hérisson dans mon chemin. Eh ben, si j'avais cru que je vous streamerais ça aujourd'hui, les amaches. Ah, papa, non. Oh, c'est proche. Non. Ich bin not consentant. Oh, putain, non. Mais tu veux passer comment si t'as pas le tir multidirectionnel ici? Il n'y a pas encore d'angle droit, mais j'y pense. J'ai du mal à pas rigoler. Et à pas me cracher d'ailleurs. Mais sérieux. Rien que pour ça, ce jeu, je le valide. Il me fait jouer à Sonic dans un chemin. Personne ne l'avait jamais fait celle-là. Ouh, qu'il est joli ce boss. Ouh, qu'il est vachard. Mais pourquoi je n'ai pas de deuxième tir? Je veux le savoir. I want to know. Mais non, mais pas derrière, parce que, regarde, écoute, je t'explique, man, le temps que je te contourne, que je te retire un peu dessus, tu vas être mort. Non, pas le bouclier de la mort. Il est tendu, lui, hein. Il est pas compliqué, mais il est tendu. Je peux pas apparaître... je vais rester avec lui. Je vais le coller à mort, et ça devrait bien se passer.
Je gère. Je gère comme un compteur GGR. Fuck. T'as vu cette fuite courageuse? Mais il remet son shield de ce crétin. Qu'est-ce que je fasse moi? Ça va être le premier boss que je ne peux pas finir. Ah putain, j'ai un tir chargé, je le découvre uniquement maintenant. C'est pratique quand même pour cancel quand c'est le bordel. On va peut-être continuer un peu plus loin maintenant que je connais cette astuce, parce que ça aide beaucoup quand même, mine de rien. Bon, le boss va rester quand même très long, je pense. Yes, I want to know. Il est vénère, il est super vénère, le gars. Donc découverte, pour compenser la bombe que je n'ai pas, j'ai un tir chargé qui me fait un petit clean. Et je me fais attaquer par des kangourous mécaniques cyclopes. Tout va bien. Prends-en au moins quoi, assure. Oui, c'était un peu le bordel là, les gars, vos popcorn de partout. Alors je confirme, la hitbox, ça fait un partie des premiers jeux apparemment, où les devs se sont dit, on va corser un peu le truc, on va rendre ça spectaculaire. Tiens, change-moi ce paramètre. Regarde, ta hitbox, on va la réduire un petit chouï par rapport à la taille réelle du vaisseau. Et c'est vrai que ça a de la gueule tout de suite, hein. Bah, ça vous rend le truc jouable. Parce que je vous rappelle que je ne suis pas un dieu vivant des chemins horizontaux, bien au contraire. Et jusque maintenant, sorti des passages où il fallait connaître un petit peu les astuces, bah pour ce qui concerne le combat, la jouabilité, tout ça... Oh putain, arrête de prendre celui-là. Bah le jeu est foutrement bien foutu, quoi. Donc il va garder sa place de sélectionner, hors de question de le mettre au grenier. Bien qu'il y ait quelques petits défauts, mais... Ils sont vraiment mineurs par rapport au reste du jeu. Ah, oh, dans la poire, direct. Il est chiant ce truc chargé parce qu'on sait jamais une fois sur deux s'il est vraiment bien chargé. En fait, c'est le gros problème. Donne-moi plein de trucs. Non, pas le wing. C'est en train de devenir un bordel sans nom là sur l'écran quand même. Je sais pas comment j'ai pas pris encore une prune, voilà. Je commence à me poser des questions. Ah ça calme ça. Bim, bam, boum, et je le prends aussi. Non ! Palooming. Pitié, Palooming. C'est quoi ça ? Il y a quand même une belle phase d'apprentissage. On va arrêter mon prochain game over. Je ne mérite pas d'en voir plus. J'ai qu'à apprendre, je ne suis pas bon. Il n'y a plus de crédit de toute manière. Et on a fait 14 minutes, les gars. Alors, Airbuster. Eh bien, j'ai l'insigne honneur de te déclarer sélectionné. Et non, tu échappes au grenier. Tu n'iras pas dans les top méga jeux. Mais être déjà dans les sélectionnés, c'est un grand honneur. T'as des petits défauts. Il faut pas mal de mémorisation.
Mais sur ta jouabilité, t'es tellement agréable que ce serait quand même idiot de te mettre à l'oubli alors que t'es un jeu qui est tout à fait ressortable aujourd'hui. Et oui, 1, 2, 28 ans après. Le temps passe, tout ce temps déjà morti. Je te laisse te balader dans le temps avec ces deux playlists, justement, et ce petit bouton d'abonnement, si ça te dit. Et je te dis rendez-vous à demain, 19h. Même heure tous les jours.